Bonjour à tous, je m'appelle Fadi Daoura. Dans cette vidéo, je vous explique la modélisation numérique, la modélisation binaire. Et la référence ici, ce sont les articles 3GPP. C'est quoi les articles 3GPP tout d'abord? Ce sont la norme internationale des télécoms. Les articles 3GPP, ce sont les articles qui décrivent la 4G et la 5G et la comparaison entre eux. Précisément, je vous explique dans les détails quels sont les articles qui décrivent la 4G et quels sont les articles qui décrivent la 5G. Tout simplement, tout ce qui est TS38, c'est 5G et tout ce qui est TS36, c'est LTE ou bien 4G+. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous explique donc la modulation selon les articles 3GPP qui est la norme internationale des télécoms. Et on va commencer par la première modulation qui est le pi sur 2 BPSK. Pi sur 2, B c'est binaire, binary, PSK c'est phase, P c'est phase, et S c'est shift, et K c'est king, ok? Le plus important c'est de comprendre c'est quoi en fait la modulation avant tout. La modulation ça veut dire de représenter le binaire, ça veut dire ou bien 0 ou bien 1, sous forme d'une fonction. On peut le transmettre, dans laquelle c'est possible de le transmettre. C'est ça plutôt. Donc ici, c'est quoi en fait l'entrée de la modulation et c'est quoi la sortie de la modulation? L'entrée de la modulation, tout d'abord, c'est un signal binaire. Et le but, c'est de moduler ce signal binaire, ensuite de l'envoyer au niveau des antennes. Donc dans cette vidéo, je vous explique comment ça se fait, cette procédure. Tout simplement, on va donc expliquer la formule et le schéma bloc dans lequel un signal binaire se transforme en signal modulé en utilisant la modulation. Et dans cette vidéo, je vous explique le premier type de modulation parce qu'il y a plusieurs types de modulation. Premier type de modulation, c'est le pi sur 2 BPSK. Ensuite, on a le BPSK. Ensuite, le QPSK. Ensuite, le 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, etc. Il n'y a pas 128 par exemple. Donc, dans cette vidéo, je vous explique la première modulation qui est le pi sur 2 BPSK selon la norme 3GPP. Quel est l'avantage d'expliquer les concepts, tout ce qui est conception selon les articles 3GPP? Parce que c'est la norme internationale. Donc, tous les gens qui travaillent dans les télécoms utilisent ce référence qui est la norme internationale des télécoms. Donc dans cette vidéo, je vous explique donc la modulation pi sur 2 BPSK en utilisant la 3GPP, la norme 3GPP. Donc maintenant, on va commencer. On a donc un signal BI. BI, I c'est le temps. Ok, je vous explique pourquoi on a BI. I c'est un entier. Pourquoi? Parce que tout simplement, on travaille ici dans un signal binaire. Et on a en fait une période binaire qui s'appelle TB. T, période, B, c'est binary. Ok, donc pour chaque période, on a un bit qui va se transmettre. Ok, donc si on a un tableau, ok, on va vous expliquer, donc on a un axe de temps, voilà. Ça, cet axe de temps, c'est donc l'axe temporel. On va commencer donc ici de 0, c'est à l'instant T égale 0. Ensuite, je vous explique. Regardez, on a ici une période qui s'appelle TB. Donc le signal, il va prendre une valeur qui va être constante, ok, de 0 jusqu'à TB, ou bien 0, ou bien 1, voilà, ou bien 0 volts, ou bien 5 volts, voilà. Ensuite, le signal va changer après une période de TB. Après, on a 3 TB. Après, on a 4 TB, à la fin jusqu'à 4 TB. Vous voyez comment? Donc, l'idée, c'est qu'il y a donc une valeur unique qui dans laquelle le signal binaire prend ou bien 0 ou bien 1 tout au long d'une période. Ça, c'est donc la première information très importante. Donc ça, ou bien 1 ou bien 0, ok, 0, 1, 0, etc. Ou bien par exemple, pardon, TB, voilà. Ou bien 1, ou bien 1, ou bien 0, etc. Donc ça, c'est un signal qui est binaire. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas plus d'informations. Mais il faut bien respecter qu'il y a un temps TB. Ok, ça c'est la première étape. Deuxième étape, il faut donc trouver le signal modulé. Comment on construit le signal modulé?
Tout simplement, la réponse, c'est à partir de cette formule. La norme 3GPP vous a expliqué, il m'a expliqué et vous a expliqué aussi, donc il nous a expliqué en fait la formule du signal modulé en fonction du signal binaire, tout simplement. Donc, vous voyez ici dans cette formule, donc on va maintenant expliquer c'est quoi cette formule. Tout d'abord, dans cette formule, vous voyez qu'il y a 1 moins 2 BI pour la partie réelle et 1 moins 2 BI pour la partie imaginaire. Ça, c'est le premier nombre complexe, ça. Parce qu'en fait, il y a un deuxième nombre complexe qui est exponentiel, etc. Mais tout d'abord, on va commencer par ce qui est facile, qui est la formation de 1 moins 2 BI, tout simplement. Donc, on a ici le signal BI, voilà. Ensuite, la première étape, qui est le premier bloc, qui on va l'appeler A, c'est la formation juste du signal 1 moins 2 BI. Voilà, tout simplement. Ok, quel est l'intérêt en fait de la formation de 1 moins 2 BI? Tout simplement parce qu'on a besoin en fait d'écarter la différence entre 0 et 1. Ça veut dire, si par exemple BI est égal à 0, alors en calculant 1 moins 2 BI, ok, on va trouver 1, n'est-ce pas? Par contre, si BI est égal à 1, alors à ce moment-là, on voit que 1 moins 2 BI est égal à moins 1. Voilà. Et ça, en fait, permet d'écarter la différence. Pourquoi? Parce qu'en fait, après la transmission, on aura ce qu'on appelle le bruit. Et après ça, donc, ça dépend en fait du bruit, s'il est très grand ou bien très petit. Mais si le bruit est très grand, donc à ce moment-là, il y a une possibilité d'avoir une erreur de transmission. À ce moment-là, au lieu, par exemple, de recevoir 1, on reçoit, par exemple, moins 1, etc. Donc, l'idée, c'est juste pour écarter la différence entre le bit numéro... le bit 1 et le bit 0. Voilà. Ça, c'est donc la première étape. La deuxième étape, donc, c'est de créer donc, deux composants, partie réelle, partie imaginaire. Donc, à ce moment-là, on aura, donc, ça, c'est la deuxième procédure dans laquelle on aura deux entrées, deux sorties, pardon. Première sortie, c'est la partie réelle qui est 2BI. Et partie imaginaire, une deuxième sortie, c'est la deuxième, donc c'est la partie imaginaire, donc on aura un nombre complexe en fait, ou bien un couple. Ensuite, on a l'exponentiel jπ sur 2 i modulo 2. Regardez, ça c'est très important. En fait, ça c'est le piège, i modulo 2, pas bi modulo 2. Donc il faut bien concentrer ici dans la formule. Dans la formule, ils disent i modulo 2, pas bi modulo 2. Donc en fait, dans la modulation, ici, la modulation di dépend de quoi? Dépend de l'axe de temps. De l'axe de temps, voilà. Donc de 0 jusqu'à tb, ok, ça c'est le premier, donc c'est pour l'instant i égale 0, on va dire. I modulo 2, ça fait 0, voilà. Donc, j pi sur 2 fois 0 est égal à quoi? Égal, donc, exponentielle de 0 est égal à 1. Donc, et du coup, on a ici 1 sur racine de 2. Voilà. Ça, c'est donc le premier facteur. Deuxième facteur, c'est lorsque i est égal à 1. I est égal à 1, donc, i modulo 2. Donc, i, en fait, le modulo, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est quoi le modulo? C'est, en fait, le reste de la division de i par 2. Donc, si, par exemple, on veut diviser 1 par 2, la modulation, en fait, la division euquidienne nous ramène en fait à un quotient et un reste. En fait, le but, c'est de savoir c'est quoi ce reste-là. I modulo 2, c'est en fait, pour i est égal à 1, on va dire. Donc, 1 divisé par 2, le reste est égal à quoi? Est égal à 1, forcément, et le quotient égale 0. Voilà. Donc, ici, le reste est égal à 1. OK. Donc, on a ici pi sur 2 fois 1, donc ça sera en fait exponentielle j pi sur 2, ça sera j. Voilà, j racine de 2. Voilà, donc ici on a 1 racine de 2, j racine de 2, 1 racine de 2, j racine de 2. Donc c'est comme une musique, 1 racine de 2, j racine de 2, 1 racine de 2, j racine de 2, voilà. Et ça, en fait, ces quotients-là sont indépendants des bits, quel que soit, ou bien 0 ou bien 1. Ok, c'est indépendant de la valeur de la bit. C'est juste, elle est dépendante du temps. Elle est dépendante juste du temps. Voilà. Donc, ce coefficient-là, vous voyez que ce coefficient-là qui se trouve ici, c'est indépendant de BI. Mais ce coefficient-là, qui est dépendant seulement de BI. Voilà. Elle dépend seulement du temps. Bon, donc,
Quelles sont les valeurs possibles à ce moment-là de DI? Bien sûr, donc on a BI seulement deux valeurs, ok? 0 ou bien 1. Mais maintenant, après avoir regardé en fait la formule, maintenant on sait la formule. Donc maintenant on a vu ici que DI, elle est en fonction de BI et en fonction de I modulo 2. I modulo 2, ça seulement, elle a deux valeurs, ou bien 1 ou bien 0. Voilà. Ça, c'est donc la première information. Deuxième information à propos de la formule, c'est la valeur de 1 moins 2bi. 1 moins 2bi ou bien 1 moins moins 1. Donc, en total, si on va faire toutes les combinaisons, donc 2 fois 2, ça fait 4. Donc, en total, on aura 4 combinaisons. Voilà. Combinaison de quoi? Combinaison de DI. Donc, il faut donc calculer toutes les valeurs possibles de DI. Un nouveau tableau. Alors, DI égal. Ici, on a dit que c'est. On va donc prendre toutes les valeurs possibles. Donc, on a pour exponentielle j pi sur 2 i modulo 2. On a deux possibilités. On va dire sur racine de 2, racine 1 sur racine de 2. Donc, ou bien, donc ici, pour i est égal à 0, donc i pair, c'est 0, donc c'est 1 sur racine de 2. Lorsque i est pair, voilà. Et si c'est i est impair, donc c'est j racine de 2, n'est-ce pas? Lorsque i est impair. Voilà. Ça, c'est donc pour la première partie en fait de la formule. Deuxième partie de la formule, lorsqu'on a 1 moins 2bi. Et à ce moment-là, on a ici deux valeurs, ou bien 1, ou bien moins 1. 1, lorsqu'on a bi est égal à 0. Et lorsque bi est égal à 1, 1 moins 2bi est égal à moins 1. Voilà. Donc, on va combiner toutes les formules. Qu'est-ce qu'on peut écrire? Ok. Donc, ici, à ce moment-là, ce sera le nombre complexe qui se trouve ici. Voilà. Donc, on a ici 1 plus j et moins 1 moins j. Voilà. Ce sont les possibilités de ce nombre complexe. Qu'il a. Oui. Voilà. Donc ça c'est le nombre complexe. Donc il a deux valeurs, ou bien 1 plus j, ou bien 1 moins 1 moins j. Ça c'est donc la première partie. Deuxième partie qui est dépendant seulement du temps. Alors il a seulement deux valeurs, 1 divisé par racine de 2 et j divisé par racine de 2 pour les valeurs respectives du temps, ok, du slot binaire. Donc, pour i est pair et i impair. Voilà. Ensuite, donc, en combinant toutes les valeurs possibles, donc ici, on va donc calculer la première valeur possible, première combinaison. Donc, lorsqu'on va multiplier 1 sur racine de 2, multiplié par 1 plus j. Voilà. Donc, c'est 1 plus j. Voilà. Ensuite, deuxième combinaison, c'est 1 sur racine de 2 moins 1. Moins j. Troisième combinaison, c'est lorsque je multiplie j sur racine de 2 fois 1 plus j. Ça sera. Donc, vous savez bien que j au carré est égal à moins 1. Donc, ça sera. Après avoir. Moi, j'ai en fait, j'ai calculé, j'ai fait déjà le calcul et j'ai trouvé que c'est 1 sur racine de 2. 1 plus j, voilà. Et à la fin, on a j sur racine de 2 et donc moins 1 moins j. Et après avoir calculé, parce que moi en fait j'ai calculé avant de faire la vidéo, donc c'est 1 sur racine de 2, voilà, 1 moins j. Donc vous voyez qu'on a quatre possibilités de
de la valeur de D. Première possibilité, deuxième possibilité, troisième possibilité, à la fin, quatrième possibilité. Vous voyez comment? Donc, premier, deuxième, troisième, quatrième. Donc, si on veut, par exemple, dessiner les valeurs possibles sur l'espace complexe, ok, ça c'est donc x et ça c'est y, l'axe des réels, l'axe des imaginaires, on va trouver en fait quatre possibilités. Donc, ça c'est donc c'est le premier. Voilà. Ici, on a 1 sur racine de 2. Ici, c'est 1 sur racine de 2. Ici, on a donc moins 1 sur racine de 2. Et à la fin, on a ici donc moins 1 sur racine de 2. Voilà. OK. Ici, donc, ça, c'est la première valeur. On va l'appeler on va l'appeler alors on va l'appeler D1, D2, D3, D4. Voilà, donc ça c'est D1. Ensuite D2 c'est moins 1 moins J, donc c'est son opposé, ça c'est D2. Et D3, c'est donc ici D3 et D4, c'est son opposé. Donc voilà. Et vous voyez que la norme de chaque possibilité, donc la norme de D1 est égale à la norme de D2 égale à la norme de D3 et aussi est égale à la norme de D4. Voilà. Est égale à quoi? Est égale à 1. Donc on va écrire. La norme de D1 est égale à la norme de D2, est égale à la norme de D3, égale à la norme de D4, est égale à 1. Ça, c'est très important. On peut donc dire que ce sont les solutions de l'équation z puissance 4 est égale à 1. Si on va donc calculer, donc ça sera en fait, tout simplement on peut faire le module argument. À la fin on va trouver donc ces solutions là, voilà. Pas besoin en fait de le faire, parce que on va donc, si vous voulez je peux faire, je peux mettre en fait une référence de ce que j'ai à propos de la résolution de l'équation Z4 égale 1. Bon. En résolvant donc l'équation Z4 égale 1, donc on va trouver ces quatre possibilités. Voilà. Donc vous voyez que si on va par exemple tracer le cercle trigonométrique qui est le cercle de centre 0 et de rayon 1, on va trouver donc que D1, D2, D3 et D4 vont forcément passer par ce cercle trigonométrique. Voilà. Donc vous voyez que c'est ça en fait. La modulation. Vous voyez que c'est très facile donc de comprendre la modulation tout simplement. Donc on a une valeur binaire. Cette valeur binaire va être transformée en un nombre complexe. Ce nombre complexe donc ou bien il va avoir donc la possibilité d'être D1 ou bien D2 ou bien D3 ou bien D4. Maintenant on va savoir en fait analyser donc les quatre possibilités. Tout d'abord pour lorsqu'on a en fait i est pair, donc pour i est égal, donc on a en fait on a multiplié par 1 divisé par racine de 2, donc 1 divisé par racine de 2 c'est en fait les d1 et les d2, donc aux instants qui sont pairs on a donc cet axe là en fait, sont les possibilités qui est pour y égal à x, c'est ça en fait l'axe dans laquelle lorsqu'on a i est pair, et lorsque i est impair, donc ça c'est le deuxième axe qui est la deuxième bisectrice, ça c'est la première bisectrice et ça c'est la deuxième bisectrice, vous voyez donc. Et l'idée c'est que pour donc l'idée c'est en fait pour maximiser en fait de ne pas avoir en fait une erreur et de minimiser le bruit. Voilà, de cette façon la détection du signal sera plus facile. Ok, et pour chacune des valeurs D1, D2, D3, D4, on a une fonction sinusoïdale, une fréquence donnée dans laquelle on peut donc
envoyé pour minimiser en fait la probabilité d'erreur de transmission. Voilà. Donc c'est ça la première modulation en fait. Ça c'est une des modulations parce qu'on a plusieurs modulations. Donc ça c'est la première. Donc dans la deuxième vidéo on va donc expliquer le BPSK. Ensuite le QPPSK, le 16 QAM, le 64 QAM et à la fin le 256 QAM. Voilà. Donc si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à poser donc des questions dans les commentaires ou bien vous pouvez me contacter ou bien sur Facebook ou bien sur LinkedIn. Voilà. Donc à la prochaine vidéo. Salut.